Bonjour, petit rendez-vous du dojo de l'éléphant blanc. Je vais vous proposer aujourd'hui un cours que vous pourrez donc faire chez vous et Kagan vous présentera aussi son cours dans la foulée. Voilà, bon Qigong à vous. On va commencer les pieds ensemble. Simplement fermer les yeux pour se poser et revenir à soi. Se laisser porter par la terre en toute confiance, en étalant le poids dans les pieds. Et laisser l'énergie du printemps, de la terre, repousser tout l'axe vertical vers le ciel. Dans une énergie yang du printemps. Voilà, laissez le corps se détendre et observer ce que vous ressentez dans l'instant présent, très simplement. La poitrine se détend, les épaules se déposent. Sur le thorax, le bassin se dépose dans les pieds et le ventre respire à son rythme. On va ouvrir les yeux, fléchir sur la jambe droite et ouvrir le pied gauche de la largeur du bassin. À sentir une nouvelle assise plus confortable et toujours ce lien entre ciel et terre, terre et ciel. On dépose. Puis d'ici simplement pour harmoniser le corps, on ouvre sur les côtés et on vient poser en laissant la poussée du sol et le suspend avant la descente, épaules, coudes, poignets. Les paumes sont bien orientées vers la terre. Extrêmement simple, sans chercher à faire, mais plutôt à sentir la globalité de ce mouvement porté par la globalité du corps. Et progressivement, laissez la respiration se caler naturellement sur le mouvement. Poussez du sol. Et là, vraiment, le moment de transformation, essayez de sentir le poids qui revient, qui se manifeste et qui libère toutes les articulations. Une dernière fois, dans ce sens. La tête est toujours orientée vers le ciel. Puis d'ici, on change de sens.
repartir dans le sens précédent et arriver en haut. Laissez les deux paumes descendre. On va les suivre du regard. Et laissez donc la tête et la colonne s'enrouler. Les genoux sont fléchis. On laisse le buste suspendu au bassin. Laissez les bras, le poids des bras et de la tête étirer la colonne et les muscles dorsaux. Et respirez tranquillement. Juste en écoutant la manière dont le buste s'étire par son propre poids. Puis les genoux vont vers l'avant, on s'assoit. Et on repousse le sol, la colonne se déroule, le bassin s'installe sur les talons, les épaules sur les hanches et les sept cervicales se déroulent l'une après l'autre. On reprend contact avec le fond du ciel. Descente, on écoute vraiment l'enroulée, tête, épaule, dorsale haute, dorsale basse, lombaire, sacrum, coccyx. On vient se balancer d'avant en arrière, très tranquille, toujours à l'écoute. On reste en respirant tranquille et on vient passer le poids du corps de droite à gauche, de gauche à droite, en laissant le poids du buste et donc de la colonne réagir à se balancer, à ce transfert de poids. On revient au centre, les deux genoux s'avancent, on pousse le sol et on déroule une deuxième fois la colonne. Jusqu'à ce que le sommet de la tête soit au contact du ciel. Voilà, plus la tête est légère dans son intention vers le ciel et plus le bassin lâche dans les pieds. Ici, on va mouvement avant-arrière avec le jeu du yin et yang des poignets. Donc on a un poignet yin et un poignet yang. Yang à l'avant, yin à l'arrière. Donc je vous le fais ici. On s'appuie avec la paume à l'arrière et on pousse le poignet vers l'avant. Voilà. Et là, dans ce jeu, on va laisser aller la colonne, se laisser vraiment onduler. Donc on est dans un déploiement-relâchement. Déploiement relâchement. Voilà. Avec les deux poignets yin et yang. On laisse aller la colonne très librement. Et la souplesse dans le bas du corps,
repousser, repousser. Comment sentir l'étirement entre les deux poignets et le retour très souple. Lâchez les poignets, laissez fondre les doigts vers la terre. Bien. De là, on va presser sur le bord externe des pieds, donc en soulevant tout le reste du pied et rester dans cette position. En respirant, relâchant, voyant tout ce qui peut encore se détendre. Voir aussi l'impact de cette pression sur le bassin, sacrum, la colonne jusqu'à la tête. Et très lentement, laisser les pieds revenir à leur place, lâcher cette tension externe. Laisser les pieds s'étaler de nouveau. Jusqu'à ce que vous sentiez l'aplomb, l'appui et la verticalité de nouveau. Puis on va passer maintenant au bord interne. On vient presser le bord interne. À l'intérieur, tout coule, tout se dépose. Voilà, vous voyez les modifications que ça implique dans le bassin. Les jambes, la colonne. Et très délicatement, on relâche la tension. Et puis maintenant, on va faire bord externe à gauche, interne à droite. On laisse tout se poser au centre, tout s'étaler de nouveau au centre, et on part de l'autre côté. Et on revient. Assembler les deux pieds. Et maintenant, croisez les doigts comme au début du Badwajin. Montez. On garde le regard face, soutenir le ciel avec les paumes, tandis que tout le poids du corps vient s'installer dans les pieds. Deux directions bien précises, une poussée vers le ciel, un lâcher vers le sol. Respirez dans les zones ouvertes. Puis on va pencher le corps à droite pour ouvrir le côté gauche en gardant face, on est sur un plan frontal et on respire dans les côtes à gauche en continuant cette poussée des paumes vers le haut. Veillez bien à garder vos cervicales dans l'axe de la colonne. On remonte. On dépose à nouveau et on pousse vers le ciel. Même chose, penchez à gauche pour ouvrir à droite. On respire dans les côtes à droite.
Sentez l'élasticité de ce côté, toujours avec cette intention vers le haut. Donc on n'est pas dans quelque chose qui se détend à la taille, mais au contraire, qui va chercher à se défroisser. Lâchez bien poitrine, bassin. Et ici, très tranquille. On dénoue, on dépose. Fermez vos yeux un instant et observez toutes les zones qui ont été en action dans l'étirement, dans le défroissement. Et encore une fois, déposez bien à l'intérieur. On repart, de nouveau on croise. On soutient le ciel, on lâche dans le sol. Respirez sous la taille. Puis, à partir des chevilles, on va tourner vers la gauche. La tête arrivera à la fin de cette torsion. On reste. En continuant la pousser vers le ciel et le lâcher du poids dans les pieds. On revient au centre. Lâchez bien à l'intérieur. On pousse un peu plus vers le ciel en lâchant les épaules, la cage thoracique, le bassin et on tourne à partir des chevilles. La tête terminera la torsion. Ici, on va ouvrir la poitrine pour venir regarder sous les mains. Tout le haut de la poitrine est tourné vers le ciel. On va en même temps fléchir légèrement le genou et lâcher le bassin. On ramène la tête dans l'axe. Et d'ici, à partir du pli de l'aine, on fléchit les genoux, les hanches, les mains sont toujours au-dessus du crâne, on pousse les paumes vers l'avant et les ischions vers l'arrière. On reste et on respire tranquille avec ces deux directions avant-arrière. Puis on vient poser les deux mains devant les pieds, bien à plat. Et d'ici, on vient allonger les jambes et fléchir. On ne force pas, vous allez jusqu'où vous pouvez. Encore. On allonge, on prend appui avec les mains dans le sol, on regarde les mains et on relâche. Relâchez toute la colonne, toute la courbe de la colonne. Lâchez bien le bassin qui descend, qui s'assoit. Encore une fois, on repousse le sol, on regarde les mains et on relâche. Puis d'ici, on va poser les deux mains à gauche. Même chose.
On allonge, on pousse dans le sol, on relâche, relâchez bien. Encore. Relâchez une troisième fois. On relâchera, on ramène les mains au centre, on passe de l'autre côté, droite. On allonge, on pousse, on regarde les mains et on lâche le bassin qui s'assoit, tout se détend. Tête, coude, genou, hanche. On pousse et on relâche. Dernière fois, tête et relâchez, on repasse au centre, on pose les deux mains bien à plat et on vient s'asseoir sur les talons. Et de là, on va pousser le sol de manière à chercher le ciel. Et ici, les deux mains tournent autour des pieds, on attrape les talons. En inspirant, on enroule le menton dans la poitrine en allongeant les jambes. Puis en expirant, on relâche et on va dérouler la colonne. Les deux mains glissent sur le côté des jambes. On déroule progressivement, prenez votre temps. Il peut y avoir des petits vertiges dans le déroulé, dans la fin du déroulé. Et là. Donc, c'était cette idée. Vol de la grue. Les deux mains sur le nombril, main droite, main gauche pour les femmes, inversement pour les hommes. Détendez le ventre sous les mains, laissez respirer. On va poursuivre sur un tabouret. Donc les deux pieds bien parallèles de la largeur des hanches, les mains sont posées sur les genoux. On reprend contact avec soi-même, les ischions bien plantés dans le tabouret. Et on se laisse porter par ces quatre points d'appui, les deux ischions, les deux pieds. En écoutant tout ce qui se passe à l'intérieur, les résistances, les retenues. Les fatigues,
corps, tout en maintenant bien sûr la tête suspendue, légère. On va travailler le haut du corps et surtout la nuque, parce que ces derniers temps, on a beaucoup de tensions qui viennent à cette saison dans le haut du corps. Donc je vais vous proposer de laisser aller très lentement le poids de la tête en avant, en observant ce qui se passe dans la courbe de chacune des cervicales, en visualisant, en ressentant bien les sept cervicales. Et là, on va laisser tout le poids se poser totalement. Puis, on va laisser la tête rouler sur le côté gauche, très lentement, par son propre poids, de manière à ce que l'oreille gauche arrive au-dessus de l'épaule gauche. La mâchoire est détendue. Et on reste à l'écoute de cet espace qui s'ouvre et qui se défroisse aussi dans deux sens opposés, d'un côté la tête et de l'autre côté, donc la main droite va rester le long du corps dans le poids du bras, avec une légère intention dans le bout des doigts, doigts vers la terre. On accueille. Ça peut parfois être assez douloureux. On accueille. On va laisser le poids encore une fois très lentement là pour sentir chaque tendon, chaque muscle dans son hyperextension par le poids de la tête. On revient au centre. Poids. La main droite revient sur la cuisse. Et là, on va presser les pieds dans le sol, qui va mettre en jeu l'appui des ischions et toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. On observe les différences entre la droite et la gauche avant de repartir tout doucement. Parfois entendre, sentir les petits crissements. Donc, rester très présent dans la nuque. Et le poids de la tête roule à droite. En dialogue avec l'oreille droite, et on sent comment ce segment, depuis la base de l'oreille jusqu'à la pointe de l'épaule, vient s'ouvrir. Le bras gauche coule littéralement de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Détendez bien la mâchoire pour ne pas retenir. Et très lentement, poids de la tête qui roule vers l'avant.
place la main gauche sur la cuisse gauche. On presse dans le sol, pied, ischion, sacrum, lombaire, dorsale basse, dorsale haute et les cervicales. Bien, on va faire le mouvement de la saison. On va entourer le pouce avec les doigts sans serrer. Hein. Les coudes sont à l'aplomb et les avant-bras en angle droit. Et d'ici, en expirant, les coudes tirent vers l'arrière et entraînent la tête vers l'avant. Donc nos omoplates sont serrées à l'arrière, la poitrine est ouverte à l'avant. Et sur l'inspire, on reprend la position initiale. Donc on fait ça 6 fois lentement et ensuite on fera 6 fois rapidement, c'est-à-dire et on reprendra 6 fois lentement, 6 fois rapidement. Bien dans l'axe, on inspire, on expire, on tire les coudes vers l'arrière à l'horizontale, la tête fléchie vers l'avant, on inspire au retour, expire, inspire. Inspire, expire, inspire, encore, un dernier, expire, inspire, 6 fois rapide. On reprend lent, expire, lent, 6 fois rapide. Encore. Six fois rapide. Puis ici, on ferme les yeux, les paumes s'ouvrent au-dessus des cuisses et on laisse doucement descendre les paumes. Restez dans les sensations. Dernière chose pour ce cours, un mouvement que vous connaissez déjà, qu'on a déjà travaillé. On va continuer à défroisser, à ouvrir. On va se laisser suspendre par le centre de la poitrine, comme si une ficelle était accrochée. D'ailleurs, vous pouvez aussi bien le faire sur votre propre vêtement.
pour sentir d'où ça part, et cette ouverture du centre de la poitrine vers le ciel. Puis on va amener les deux épaules vraiment, pivoter le buste face au genou gauche, et là, en maintenant le genou droit bien dans l'axe, bien ouvert, on va loin avec le menton vers l'avant. Le pli de l'aine fléchit fortement. Puis à la toute fin, le sommet du crâne va chercher le mur d'en face, c'est la crosse de fougère. Le menton vient à l'intérieur, toute la nuque est ouverte. On repasse au centre. Et là, on presse les pieds dans le sol et on sent l'écho dans le bas du dos. On vient dérouler la colonne le long d'un mur invisible. Et on prend l'étirement, la suspension du centre de la poitrine. On part à droite cette fois-ci. Et là, en maintenant bien le genou gauche dans sa position, on part loin en avant avec le menton à l'horizon. La mâchoire et la gorge sont relâchées. Et d'ici loin, le crâne va chercher le mur d'en face. On étire au maximum. On va jusqu'au menton poitrine. On revient centre. Pressez les pieds dans le sol et on va coller chaque vertèbre sur ce mur imaginaire. Et de nouveau, ça s'enchaîne, on essaye d'avoir un mouvement continu et fluide en précisant toujours bien l'origine du mouvement. Ici c'est menton et la mâchoire est étendue. On presse limite le genou avec la main droite et on vient inverser la courbe de la nuque. On revient au centre. On prend bien appui sur les deux pieds. Dès qu'on a senti les ischions plantés, l'axe est de nouveau bien en place. Hop, ça part dans Tanjong, centre poitrine. On part à droite et loin, loin en avant. Et ici, crâne vers l'avant. On étire chaque cervicale, menton dans la poitrine, centre, poussez les pieds, ischions, on prend appui et on s'arrêtera ici, restez dans les sensations un instant. Les deux pieds. Et se mettre debout pour une fermeture. Une fermeture toute simple. Là. On récolte. Paume vers le centre, balboué. Jusqu'à une mouchoire sous vos pieds. De nouveau. Tout s'aligne sous les paumes. Ici, le pied gauche vient vers le pied droit. Les deux mains se rejoignent le plus loin possible, le plus étiré possible. Et
on descend. Juste un petit temps en fin de séance toujours pour faire un petit peu le point, prendre la mesure de l'état général. Et je vous remercie, profitez bien et à très bientôt.